vais voir s'il y a des munitions dans le shop. Oh non. Oh putain, les explosifs que j'ai. Il y a une grenade de côté. Il y a plus de shop. Succession, on choisit un canal pour la plus. Je crois que c'est le même que Rockboy, non? Contact! De quoi? Non, en fait, t'auras une 148 normalement. Ouais, mais j'ai plus de 148, moi. J'ai donné à Rockboy. Bah, il faut aller en acheter une. Au shop, il y en a. Ouais, les team, les Fire Team Leader, équipez-vous en 148. Normalement, les Fire Team Leader ont des 148 UHF et toi, t'as une 148 VHF. C'est comme ça qu'on a fait la dernière fois, c'est plus simple pour gérer. Ok, bien pris, j'arrive. De... Bon, il est où Saucisson? Bon, l'équipe de Saucisson, vous vous organisez avec Saucisson, vous lui demandez l'ordre de marche, tout ça, et je reviendrai plus tard. On a un canal sinon? De Rockboy à DHP. De Rockboy à DHP. Il faut que tu prennes une 148 à ce qui paraît, donc voilà, super. Et bah, tu vois que tu t'es déjà organisé, super. Moi, je vais aller chercher le briefing. Là, je vais. La 343, on se met quelle chaîne? Eh ben, je vais décider ça avec. Deux secondes. On va voir. L'idée, c'est que quand on est divisé comme ça, les Fire Team Leader prennent une 148 UHF pour parler avec le Team Leader. Oui. Et ensuite, chaque Fire Team a un canal sur la 343. Oxymore et Nico, hein, vous pouvez rester voilà, ici comme ça, s'il vous plaît. C'est très bien. J'arrive tout de suite. Ça roule. C'est clic gauche, droit. Vous ne pouvez pas. Sur le point rencontrer le contact, c'est un stade qui se situe en 054 150 pour récupérer des informations sur des rebelles russes qui seraient en train de construire des bombes sales. Donc il faut buter les rebelles et exploser leurs bombes sales. Ça on le fera, il n'y a pas besoin d'avoir d'équipement forcément super. Une fois qu'on arrive sur zone, il faut sécuriser la zone, récupérer le contact et tenir la zone jusqu'à ce qu'il y ait une extraction héliportée qui arrive pour le prendre avec nous. Une fois que l'extraction est faite, on aura l'adresse, plutôt les coordonnées GPS du labo. Il faudra aller le détruire et ensuite aller vers une extraction sur la plage. Donc a priori ce sera sur l'ouest. Mais on sait pas encore où est le labo en fait. C'est notre contact qui va nous filer. On commence le matin. Okay. Ouais. Il y a des civils qu'il faudra pas tuer. Donc attention aux pertes civiles. Et il y a des véhicules légers, possibles mi-lourds, mais plutôt légers quoi. C'est des rebelles russes. Donc c'est pas forcément une armée très très bien équipée. Par contre, a priori pas de très lourds et pas d'aériens. Mais on sait jamais. Ok. Donc, Ok, bravo. Ça marche. Oui. Total Bat, je reteste la 148 suite à un problème technique. Il faudrait aller sécuriser dans un premier temps le PowerPoint, le Power Plant qui est en 04250. Alors attends. Non, non. Tu me mets un point ou je note? Attends. On va pas mettre de points sur la carte. Comme on est en revive 0, on va faire vraiment sérieux. Pas de points sur la carte. En fait, bravo. Il faut que pour l'assaut final sur le rencontrer le contact, le premier point rencontrer contact, vous puissiez avoir un point de couverture sur le 052-151. Il y a un pic ici. Prendre des couverts pour avoir une vision sur le stade et pouvoir couvrir la zone. Donc en 052-150. Ouais, voilà. Et bravo. Il va falloir attendre. Donc attendre à environ 1 km sur la route. Dans les petits bidonvilles qui sont en 046-141. Alpha, pardon. Je parle à Alpha. Ah maintenant. Oui, parce que je me disais, oui. 046-141 pour pouvoir attendre le signal de bravo. Pour aller ensuite prendre d'assaut le stade. Voilà. Les petits bidonvilles près de la centrale, là, ceux-là? Ouais, voilà, par exemple.
0, tu m'as dit 0,46, 150. 141. 141, ah. En gros, il faut juste être plutôt à l'abri du point, et pouvoir y aller rapidement si jamais on doit y aller, mais en gros, être à l'abri du point, quoi. Ah oui, tu veux dire caché en vue d'aller vers cet endroit, vers le stade, voilà, c'est ça. D'accord. Ouais. En attendant le signal de bravo pour pouvoir y aller. D'accord, ok. Ok. Il fera jour ? C'est le matin, donc il fera jour au bout d'un moment. Ok. Cool ça. Il est 7h, il fera jour dans une heure quoi. Ouais, une demi-heure. Grosse demi-heure. J'arrête. Alors attends, je réfléchis parce que je me dis qu'il y a des points qui seront dans notre dos et qui sont pas forcément super, qui sont peut-être stratégiques. Et comment on s'y déplace jusque là-bas? On a des camions et des hélicoptères d'extraction. Pour l'insertion, je parle. L'insertion. Des hélicoptères d'insertion normalement. Ok. On peut aller briefer nos mecs? Ouais, qu'est-ce que vous en pensez du plan? Parce que je suis pas hyper... Non, c'est pas mal, ouais. En fait, j'ai peur que la petite montagne, la 045-154 et la power plant, il y ait peut-être du monde qui nous attend et qu'on se fasse prendre un revers si jamais. Mais après... Non, mais ouais, c'est pas mal, quoi. Parce qu'au moins on va arriver à couvert du stade, on sera sur une hauteur, on pourra bien couvrir. Ok, ça marche. Donc nous, juste une dernière question d'Alpha. En fait, nous, pour l'attaque, si j'ai bien compris, on suivra la route de toute façon. Ouais, mais je pense que en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de faire un premier repérage vers le 056-142. Donc en vous déplaçant si possible vers l'est, pour regarder, voir si vous pouvez avoir des points sur repérer le contact, pendant que Bravo, vous regardez si les points, si la power plant, il est bien sécurisé. Parce que s'il n'est pas sécurisé et qu'on prend dans le dos, on va devoir faire le premier objectif et le prendre d'assaut. Et à ce moment-là, on changera. Mais par contre, Alpha, pendant qu'on sécurise le point power point, vous allez faire un premier repérage. Et ensuite, on inversera. Alpha, vous allez mettre en point d'assaut, pendant que Bravo va faire du repérage et du soutien. Ça vous va? Attends, si je comprends bien, on va quand même d'abord attaquer la centrale, puis après la rencontre, c'est ça? Alors, là... Ça tire. Je vois des mecs en moonwalk, là, il a pas planté? Je crois pas que... Qu'est-ce qui tire, là? C'est des copains ou pas? Je pense pas. Non. Vous bougez, alors, là, dans l'église? Ce que vous allez faire... Bravo. Contact. Bravo. Soldier. Vous allez... repérer ce qu'il y a sur le power plant en 0,42-150. Alpha, pendant ce temps là vous allez repérer ce qu'il peut y avoir au point rencontrer le contact en passant au sud dans les hauteurs. Ok, j'ai compris. Voilà. Et ensuite on passera sur le, si c'est bien clair pour tout le monde et c'est clair, je veux dire c'est clair, c'est safe, on passera au point suivant. Ok, voilà, ça marche. Ok, j'ai compris. Bon bah on y va. Bon bah let's go. Vous avez des questions peut-être? Non, c'est bon. Je crois que ça a planté. Bonsoir, c'est Ragboy et voilà, ce soir on se retrouve avec une mission qui va bien ramer parce qu'on est au moins une trentaine. Les leaders, organisez vos fire team pour les zones de couverture si jamais on doit être. Et donc ça va ramer bien sévère, mais on est une trentaine sur le serveur, c'est vraiment exceptionnel. Et on va se faire une petite mission improvisée qui n'a malheureusement pas eu le temps d'être faite et préparée. Précipitez pas. Et voilà, donc on va aller à un point de rencontre et oh là là, il y a des girafes avec nous. Ça merde un peu. Ok, donc saucisson, côté gauche quoi. Ok, c'est beau. Oh, The Ragboy a coche bien pris. The Ragboy a saucisson et DHP. Saucisson, tu vas descendre sur le côté gauche du camion et DHP sur le côté droit du camion quand on sera arrêté, d'accord? Ouais. Qui est bien pris. Qui est bien pris, hein, pour DHP. C'est beau, mais ça, enfin... Il faut faire attention, il y aura des bagnoles, des civils, tout ça. Il fallait pas être un de plus en camion.
qu'on n'a pas perdu le deuxième camion. Je suis derrière ou pas? Et là, ouais, ça suit. Il y a un mec dans le camion, il a pas de tête. Ça suit plus. Ça suit, ils ont tourné à gauche. Ça suit plus, ouais, ils ont tourné à gauche, laisse-les. Chacun a sa mission, hein, pour continuer. Ouais, ouais. Pas de problème, coach. Bravo, on a commencé à bifurquer sur la gauche. Bon, la ceux qui ont acheté le jeu à la sortie doivent être tech dans ta chambre. Bah, vu le prix, ouais. Ouais, il est super joli ce jeu. Ça va, il est pas couvert le camion. Ouais, c'est bon. On arrive au point. Hein. Allez, tu vas commencer à décélérer et éteindre les phares. Ok, commandement, quand on descend du camion, on se retrouve vers l'arrière, du point. Sors à droite de la route. Ok, ouais, sors de la route s'il te plaît, sur le côté droit. Voilà, voilà. Stop, 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 stop. Voilà, parfait. Allez, tout le monde descend. Un groupe de saucissons, on couvre à droite, à gauche, pardon. Ok, de le groupe Il y a un civil là qui me chute. Ouais. Pour Alpha, le groupe qui est avec Ragboy, il reste près du camion. Et équipe d'HP. Nico et Zitrol. Et Oxymore. Ouais. Avec toi. Ok, ça marche. Ah, t'es là, ouais. Coach, d'accord, ok. Zitrol. De Ragboy à Koj, on commence notre progression vers le point pour sécuriser. Ok, bien pris. Ok les gars, on y va. On est parti. Couche pas Yulgan. Alors, ceux-ci sont... Commandement, nous on va traverser vers le nord-ouest et on va monter sur la petite colline qui est juste là. Franchement, Un civil devant nous, à 10 minutes 140 à 20 mètres derrière le buisson. Ouais, il est pas armé. De Ragboy à DHP et Saucisson, on va progresser en 100. On va progresser vers cette direction-là. Ils sont blessés, ils progressent en 100. Avec vous, c'est parti. Allez les gars, on y va. C'est parti. Quelle allure, qui pointe avec son laser. À genoux. Je sais pas, c'est pas grave, j'y vois pas. De Ragboy à Dulgan et DHP, hein. Silencieux, pas de lumière ni de laser. Putain, ça capte mal sur la 148. Ok, de Nico et Cook, si mort, on va progresser vers la maison là. Ok. Nico le Spy, il était avec qui? Il était pas avec nous, je crois. Si? Oh là là, j'ai une désynchro. Ok, tout le monde. D'accord, ok. Tout le monde est en train de faire du surplus. Donc voilà, je me retrouve encore à faire. À faire le team leader. Cette fois-ci, j'ai. Alors. De Ragboy à DHP, tu devrais l'avoir en visuel. Il est légèrement sur votre droite, azimut 60. Pour moi. Donc 70 plutôt. Voilà, tu dois l'avoir en visuel là. Et donc, je me retrouve à l'idée avec. Deux amis qui restent ici, Oxymore et Nico, avec moi pour me couvrir au cas où. On est un peu trop en retrait d'ailleurs, ce que j'aime pas. Et on va aller progresser vers DHP, Saucisson.
De Ragboy à DHP, 100 mètres devant toi, dans quelle direction, ça dépend. C'est celui qui est tout en haut de la colline, normalement. Bon, on va traverser la route. Coche pour Bravo. De Bravo. Okay, tu veux que j'aille en premier? Non, non, Est-ce que c'est vous en bon. êtes? On est au en progression Non, c'est bon, on y va. De Ragboy à Saucisson, est-ce que tu peux offrir un couvert pour moi, ma team? 052 151. De Ragboy à Saucisson, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux couvrir ma progression? Affirmatif, je déploie ma MG en ta direction. Ok, ça marche. Allez, on y va. Ok, return to formation. Tu peux y aller. Au pas de course. Ok, ceux-ci sont vous restez là pour l'instant. De Ragboy à DHP, quel est le statut du Mirador? Merci, prenez position s'il vous plaît. Donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup d'ordres, beaucoup de discussions. Si je comprends bien, on est passé par là, on va monter là, ils vont dans le Je mirador. méfierais, parce qu'une fois on a cru que c'était des potes et c'était dit. Allez, on y va, on va rejoindre l'équipe de DHP. Oui, c'est ça, on voit un bâtiment là et on vous a bien envie. Ok, de Bravo, bien pris. On reprend la marche. Coche pour Alpha, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que vous voyez? De Alpha à Koj, nous sommes sur un mirador et nous avons aucun visuel sur des ennemis. De Ragboy, on commence à prendre un visuel sur la position de la rencontre avec mes équipes. On progresse doucement. Ok, bien pris. Des tirs, j'ai entendu des tirs là. Ok, de Ragboy à Saucisson, prenez place dans la maison dévastée là, s'il vous plaît. Ici DHP pour Ragboy, on est arrivé au Mirador, il est vide mais on n'a pas pris position dedans, il y a 2-3 bugs avec ce Mirador, je sais pas pourquoi. Saucisson Ragboy, tu peux préciser la direction de la maison dévastée? La maison dévastée est pleine ouest, plein nord pour vous. Putain, j'entends des tirs là. Ok, de Ragboy à Saucisson, laissez tomber la maison, on va tous se rejoindre sur DHP et le Mirador tout au nord, d'accord? Enfin, tout au nord, tout en haut de la montagne. Je pédale dans la choucroute là. Coche pour Alpha. Le groupe de commandement est au ouest-nord-ouest par rapport à votre position. Donc, plutôt nord-nord-ouest par rapport à votre position. Nord. Ne tirez pas. Nord-ouest. Return to formation. Ok, bien pris. De Ragboy à la team Alpha, l'équipe de commandement est au nord-nord-ouest de notre position. Donc ne tirez pas et on se rejoint tous sur l'équipe de DHP au Mirador. Ok, bien pris. Ragboy, on est derrière toi. En mouvement vers toi. Alpha derrière toi, Ragboy. Ok, Cool Spy, Saucisson, allez, tous, Oxymore, Nico, on y va, on les rejoint DHP. Ouais, j'ai l'impression qu'il a disparu parce que le Ok, sac est bien pris. vide. Il a dû avoir un méga bug. Qui c'est qui parle là? Ok, on sort d'ici, on sort de ça. Comme quoi le snipe aurait été peut-être utile. Ok, on reste le long du grillage. Ouais, il a disparu. Bah j'ai que ça, ouais. L'équipe qui arrive.
Donc de Ragboy à DHP, vous n'avez pas pu monter tout en haut du Mirador ni voir ce qu'il y a. Non, ça peut, je sais pas ce qui se passe. Ouais, on traverse les escaliers. Ok, ok, montez pas, sinon vous allez mourir et puis il n'y aura pas de soirée pour vous. On n'est pas au point encore. Hein. Non, 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 mais on a un bon visuel sur la cible. De Ragboy à tous, à l'équipe Alpha, on a un bon visuel sur le stade, c'est ce que vous voyez en azimut 0. Voilà, en azimut 0, c'est le stade illuminé. Oui, effectivement, la zone a l'air complètement clear, donc progresser. Nous, on s'occupe du bas. Il y a pas... Saucisson, t'es là ? Je suis là. Je suis pas du bon côté, mais je suis là. De l'équipe de Ragboy à DHP, vous allez progresser vers l'est, tout en regardant toujours ce qui se passe vers le stade. Au sens que j'ai envie de leur tirer dessus. De Ragboy à Saucisson, tu vas descendre sur ce qui s'appelle l'usine. De sur la carte, s'il te plaît. Attention, on a contact en 190, plusieurs. 4 personnes. Quelle distance? 400 mètres. En mouvement, apparemment, ils sont en alerte ou en patrouille. Je n'ai pas entendu d'accusé réception, Saucisson. Non. De gauche possible contact dans la ville au milieu, donc on est plus prudent, on progresse. Bon, je suis juste à côté de toi. On a des contacts en 190, une patrouille de 4 personnes. Ouais, ouais, j'ai entendu. Mètres. J'ai entendu. Ouais, j'ai entendu, ouais. Ok, et donc tu m'as dit de me déployer sur le point usine. Point usine. Enfin, plutôt en 146, ah. 56, 146, s'il te plaît, en contrebas. Et attention, progression doucement, hein, parce que là, il y a du monde. Ok. Ok. C'est dans quelle direction, ça? C'est nord-ouest, nord-est? C'est juste en bas, ça. J'arrive pas à repérer. Bon, t'arrives pas à te repérer? Ok, alors, viens avec moi, viens. Ah si, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Direction nord. On est pile à la pointe. Là, vous passez par l'est, non? C'est normal. De Ragboy. Saucisson, t'es là? Je suis là. Bon, écoute, progresse en 5, azimut 5, ou ouais. 10 plutôt, 10. Cherche découvert, progressez vraiment doucement. Ouais, exactement, hein. Contraire, ça va être super chaud. Tu vois le bâtiment? Jusqu'à la maison, là, celle qui n'est pas illuminée. La première? Ouais, enfin illuminée. Il y a un lampadaire à côté sur sa gauche. Mais sinon, c'est la maison où il n'y a pas de lumière. D'accord? Ok, bien pris. Ok, Kuspa, tu ouvres la marche. On se dirige vers la maison isolée, azimut 0. Ok. Tu t'essaies de lui. Ah putain, c'est quoi ce bug? Un coupe-toi. Sécuritaire avec des couverts ou des arbres. Ok. À tous, ouais. Faites attention, progression prudente, possible hostile. C'est à cause de ton arme secondaire. Tu devrais la mettre dans ton sac. Kuspa, tu ouvres la marche, tu es suivi par du. Ok, merci. Ensuite, moi. De Ragboy à Koch, tu peux répéter, j'ai rien entendu. Ensuite, Ewok. Dans le nord-ouest de votre section. Est-ce que vous pouvez repérer des ennemis qui seraient sur notre chemin jusqu'à la grue, s'il vous plaît? Allez, go. Ok, bien pris, je demande. De Ragboy à DHP, est-ce que tu as des visuels sur des hostiles entre la grue du stade et la première lumière que tu vois sur la gauche de cette grue qui est perdue dans la campagne. Oxymore, Nico, t'es là? Affirmatif. De Ragboy à Oxymore et Nico, vous êtes où là? Je vais réceptionner par
Gonza, j'ai un contact véhicule. Ok, bien plus. C'est ma faute, je me suis trompé de nom. J'ai un contact. T'es où, Oxymore? Remonte, Oxymore, je suis pas. Est-ce que tu fermes la marche, du coup? Le Ragboy ADHP, vous êtes où? Ok, coche pour Alpha, vous progressez vers le point enquêté. Coche pour Bravo, vous coupez. Ok, bien pris. Oui, je suis là. Les avancées de Alpha, qui va progresser de plus à l'est du point, et les avancées de du commandement de coche de mon groupe, qui va progresser un peu plus à l'ouest. De Ragboy à Saucisson. Stop ta progression là, s'il te plaît, et reste dans la forêt, et tu vas aller en direction du nord-est, le long de la route, mais pas sur la route, s'il te plaît. Tu vas progresser tout doucement. Ok, bien pris. De Ragboy à DHP, si vous avez bien compris leur progression à eux, vous allez progresser en parallèle tout en restant sur votre colline. C'est bien pris? De Ragboy à DHP, je te rejoins. Ok, de Bravo, on a un contact armé. Je confirme. De Ragboy à DHP, donne-moi ta position. Ici DHP, je suis en 5743, clavier... Coche pour Bravo, et c'est possible que ce soit Alpha. Alpha, vous pouvez confirmer? De Bravo, négatif. 5, rally up, 10. Ok, bien pris. Coche pour Alpha. Oxymore pour un peu, j'ai enfanté. Ouais, là je suis carrément à out. Alors, de Ragboy à Coge, la team Alpha, il y en a une qui est en haut de la colline et une autre qui progresse le long de la route sans être sur la route, en direction du point enquêté. De Ragboy à Coge, oui, je te reçois et t'as pas reçu mon message d'avant, alors je le répète. Si, j'ai reçu. Par contre, vous avez reçu un message de Bravo comme quoi il y avait un individu armé sur le point Factory. De Ragboy à Coge, le point Factory, c'est quoi? C'est le point usine? C'est. Enfin. C'est le 53-145. Encore un véhicule en 101, 101 véhicule civil. C'est le point Factory, c'est le point usine, ouais, c'est en 53-145. De Ragboy à Coge, non, on n'a rien vu du tout. On a un bon visuel sur cet endroit-là, mais on n'a pas vu d'ennemis. Ragboy, est-ce que tu m'entends? Ok, bien pris. Donc continue à progresser. Moi, je vais aller avec mon groupe sur le point Factory. 90 à 900. Au revoir, un peu ce clavier numérique 3. Non, mais je... De Ragboy à tous, silence radio s'il vous plaît. Ok, de Lister à Ragboy, on est au nord de votre position, en haut de la montagne, au niveau de l'ouest du stadium. De Ragboy à Lister, bien pris, nous sommes exactement en face de vous, mais sur les autres collines. Alors, de Ragboy à Coge et à Lister, j'ai une équipe qui progresse en contrebas et une autre qui reste en haut sur ces collines-là. En contrebas, c'est-à-dire de Factory vers le stade, sans être sur la route, en étant au couvert. C'est bon, Oxymore et Nico, vous êtes là ou pas? Putain, mais je suis tout seul. Ok, de Ragboy à Oxymore et Nico, vous êtes où? Vous êtes là? De Bravo commandement, on a du contact de Oxymore. C'est vous là qui progressez? Ok, bon, okay, bougez plus. Parce que là, j'ai les oreilles qui sifflent, c'est pas possible. Oui, je vous entends. Suivez-moi, s'il vous plaît. Et t'as entendu le signalement que je t'ai donné? Non, j'ai 36 000 communications en même temps, je peux pas tout entendre. Déjà, je cherche DHP. Première chose, j'aimerais bien retrouver DHP, je sais pas où il est. Vous savez où il est? Non, du tout. De Ragboy à DHP, peux-tu me redonner ta position, s'il te plaît?
Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? 57? 143. 3, fall back! Saucisson, Ragboy, on a stoppé la pro. Ok, ils doivent être par là. Allez, on y va, on va les rejoindre. Il y a un... Non, non, mais c'est pas bien là, ils les couvrent même pas. Je regarde. Mais il y est pas. Le Ragboy à saucisson, j'ai bien entendu. Tu peux commencer à continuer à... non, stop ou test, s'il te plaît. Vous me suivez, Oxymor et... Ok, ça marche, merci. Je suis désolé hein, si je pédale dans la semoule, mais c'est la première fois. Hein. Ah, ok, vous êtes là, ça marche. Donc je disais tout à l'heure, je sais pas si t'as reçu, il y a un hostile. Enfin, je sais pas s'il est hostile, mais c'est un mec armé. Alors, qui parle? Oxymor, je te retrouve l'azimut. Alors, de Ragboy à toute l'aide Kim Alpha, il y apparaît-il une personne armée sur l'usine qui était derrière, qui est derrière la team de saucisson. Donc faites toujours attention que le dernier check bien. Il y a une personne armée qui est au point usine sur votre carte. Faites attention. Azimut 358, distance 800 mètres. 750. Alors. DHP, tu es là? Attends, je vais communiquer une information à saucisson là. Parce qu'il y a un ennemi pas loin de lui. Hein. Ok, vas-y. Ici saucisson pour DHP, l'ennemi il est au nord de ta position. D'accord, un véhicule tout à l'est. Il y a deux murs entre vous. Ça bouge. Ok, bon, vous êtes là? Oui. Ah, bon, bravo, on est dans la factory. Est-ce que vous avez toujours un visuel sur le contact? Mister propose qu'on aille s'occuper du. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Ragboy? Attends, j'attends, qui c'est qui parle là? Bon. De Ragboy à DHP et saucisson, voilà la situation actuelle. Le commandement est au point factory où j'ai signalé qu'il y avait un individu. Bravo est normalement en face de nous. Quand vous dites regardez le stade, il se trouve dans les collines au-dessus. D'accord? Donc nous, on va continuer à progresser. On va couvrir l'avancée de saucisson en direction le long de la route. Ah putain, j'arrive pas à m'exprimer. J'ai entendu le long de la route. Hein. Les gars, il y a des contacts sur le stade Azimut 325 qui sont alliés. Vous avez mon dernier message en vous demandant ce que vous voyez sur 900 mètres. De Ragboy à saucisson, tu vas continuer ta progression le long de la forêt en direction de la dernière maison qui se trouve le long de la route. D'accord, c'est bien compris? Au nord ou au sud? Ça pas dit. Ok, bien pris. Est-ce que tu as des informations concernant le personnel hostile sur notre site? De Ragboy à saucisson, la direction à suivre est le nord-est tout en n'étant pas sur la route. D'accord? Je te demande au niveau des informations sur l'hostile qui est sur notre zone. Ok, ah oui, je la vois à peine, c'est ça. Alors, l'hostile qui est sur votre zone, c'est à DHP qu'il faut que tu demandes. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas. Ok, bien pris. DHP, est-ce que tu as des informations sur le déplacement de l'hostile? Oui, c'est DHP. Est-ce que tu peux communiquer ta position? Je te dis exactement où il est. Oh la vache, putain, c'est dur. Hein. Là, j'en peux plus, là. DHP, je répète, est-ce que tu peux me communiquer ta position? Je vais te dire exactement où il est. 055 146 clavier 3. Véhicule civil en 98. À l'angle d'un mur. Coche pour Alpha. Return to formation. J'ai pas besoin qu'il fait l'alerte ou ce véhicule là. De Ragboy à Coche, je t'écoute. Ok, saucisson, il y a Bravo qui essayait de contacter. Vous les entendez ou pas? Pavé numérique 5, 4, et il est sur
sur la route. Non, non, je vais demander un silence radio. C'est bon, vous êtes repéré. Je demande le silence radio, s'il vous plaît. Coche pour Bravo, vous pouvez répéter le message pour Alpha. Bah, ils voient pas la route d'où ils sont. Hein, je crois. Ouais, non, mais de la carte. De Bravo, bien pris. Ils voient où il est. De Bravo, turn formation. Sinon, le mur là sur lequel ils sont, y a pas de problème. De Ragboy à Bravo, notre position est en deux groupes. Il y en a un groupe sur la colline en face de vous, donc sur le point. Sur le point 58-145, et mon deuxième équipe est en 56-146, en progression en direction du nord-est. Bravo, bien pris. Saucisson Ragboy en engouement. Oh putain. Azimut 62 à 370 mètres sur la route. En fait, du petit entrepôt là, bizarre. Il passe derrière le mur. 360. De coche pour Alpha, votre arrivée sur le point enquêté, c'est dans combien de temps environ? Voilà, il est en train de sortir. De coche, je dirais 10 minutes. Même pas, ouais, 10 minutes. Vous pouvez progresser plus rapidement, bravo coup vos arrières, ils ont pas de contact donc vous pouvez y aller rapidement. Ok, bien pris. Bon, DHP, est-ce que ton équipe a un visuel sur le moindre hostile jusqu'à la maison à l'extrémité, là, celle qu'il y a en face de nous? Azimut 340. Au niveau de la route, là, la maison de construction. Ah. Ils ont déjà passé, hein, je sais pas si t'as vu. Mais ils sont où, putain? En 350, ils sont déjà. Juste en face, là. Ils continuent jusqu'au prochain, en Azimut 0. Moi, j'ai un bon visuel, hein, pour l'instant. Mais je les vois même pas là. Azimut 350, à 350 mètres. Ouais, Azimut 350 à 340, 350 mètres. Ouais. Derrière les armes là. Les armes. Les gars, il y a un hostile. Azimut 360, distance 700 mètres. Bon, moi je vois rien du tout. Je vois rien. De Rayboy à tous, stop, stop. Stop à saucisson. T'as des JVN, Rayboy? J'ai DNVG, ouais, bon, il est allé trop loin, effectivement. Bon, laisse tomber. De Ragboy à saucisson, stop et trouve des couverts. Reste cette position, elle est très bien, ne bouge pas. De l'équipe à DHP, on va descendre sur la position de la grange. Je devrais dire de prendre position en bâtiment, non? Bah, il doit le faire, hein. Je vais pas lui torcher le cul non plus, hein. Oh là, c'est quoi ce laser? Position Ragboy, on prend position dans la ruine de maison. Ça va, magnifique. On va où, nous? Parfait, c'est parfait. Eh ben, de Ragboy à DHP, on va aller jusqu'à cette grange-là qui est juste à côté de Saucisson. Et au pâté. Si vous avez vu des hostiles à moins de 400 mètres, on va y aller doucement. S'ils sont plus loin, on y va, à fond. Bah, il y en a en face de nous, à 300 mètres, là. Eh ben, on abat. Non, mais lui, il nous verra pas, je pense. Okay. Allez, on y va. De Ragboy à DHP, vous progressez vers la grange qui se trouve derrière Saucisson. Debout. De Ragboy à tous, ordre de tir, cette fois-ci, dès que vous êtes repéré, vous abattez. Si c'est en dessous de 400 mètres, vous abattez. Et toujours au silencieux, s'il vous plaît. De Ragboy à Koj, cette fois-ci, on progresse plus rapidement. On va arriver, on va avoir toutes les équipes en 057, 147, clavier numérique 5. Bravo Alpha, on a un contact hostile sur votre position donnée. Donc le Ragboy, le style dont on parlait. Merde, ouais, bah c'est justement le style, ouais, qu'ils ont repéré. Ok, bien pris, bravo. Oui, ouais, il est où les deux maisons là sur la gauche, il y en a une en construction avec un réverbère à côté, bravo, et une autre juste sur la gauche, classique avec un autre réverbère. Ouais. Tu vois, au milieu, il y a une sorte d'entrepôt. Oui, entre les deux maisons. Avec des caisses, des containers. Oui. Juste sur la droite, à côté de la c'est l'autre voiture. C'est une épave là, ouais. Ouais, y a un gars qui se balade là. Tu le vois pas? Non. Il arrive sur la route là, dans une. Top. De Ragboy, non. Si DHP pour Ragboy, on est juste. Ah bah, j'ai pas bougé, moi j'ai atténué. Ça. Non, je le vois pas. Si, j'y vais à tir. Un tir, deux tirs.
C'est pas celui dont on était justement en train de parler à l'instant là ? Non, 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 c'est pas lui qui tirait. Parce que bon, nous on bouge. Ok, il me confirme le contact à terre, donc c'est Bravo qui a fait feu. De Ragboy à tous, je confirme Bravo avoir fait feu. Au moins, le serveur n'est pas surchargé. Il y a juste un véhicule civil qui fait un aller-retour. Là. Ah, j'ai encore des lumières. Véhicule 78, je vois pas encore le véhicule. J'ai juste des phares. Ah, qui c'est qui parle ? Putain, il a pas la crotte que de demi. Elle a disparu. Je vais voir s'il n'y a pas un énorme convoi qui arrive. En 80. Ah, c'est encore notre véhicule, je confirme, c'est encore le véhicule civil qui arrive. Il est à 1200 mètres. Azimut 83. Mile, exit 3, vous restez ici, sinon on va aller au prochain mur. Une fois qu'on est au prochain mur. Ok, bravo, vous pouvez les dégommer si jamais c'est une menace. Pour l'instant, il faut vraiment surveiller les alentours et faire en sorte qu'il n'y ait aucun ennemi qui approche de notre position. N'hésitez pas à nous donner des instructions de zone de couverture, de zone qui peut vous être un petit peu à angle mort. De Ragboy à DHP, dépêche-toi de progresser s'il te plaît. Ils sont déjà bien en avance, ceux-ci sont. Excusez-moi les gars. On a perdu Nico, je crois. Il est là. De Ragboy à Nico, tu progresses avec nous ? En 45 par rapport à notre position, comme ça. Ça cavale autour de la maison. Je sais même pas pourquoi vous sortez tout le temps les jumelles. Hein. Normalement, il n'y a pas besoin. Je le vois aussi. On va vraiment que dalle sinon. Bah là, tu passes en plein jour. Hein. Moi, j'ai enlevé les NVG, hein. Ça sert à rien. Ah, mais pour les jumelles, c'est pour avoir l'azimut et il est en alerte, la distance et tout. Ouais, mais c'est ça. En fait, vous êtes là pour me protéger, pas pour prendre les azimuts ou surveiller ce qu'il y a tout autour. C'est pas méchant hein, ce que je dis, c'est juste histoire qu'on se retrouve pas avec un mec sur notre dos. Hein. Je le vois plus, mais il y a 42, il se relève, il recourt. Il y a Nico, tu pourras surveiller notre arrière et puis Oxymore derrière moi, s'il te plaît. De Ragboy à Saucisson, est-ce que tu as pris position dans les maisons ? Saucisson Ragboy, on est en train de nettoyer. Ok, bien pris. Forcément, il n'y a pas de trou dans la barrière, s'il y a une porte là-bas. De Ragboy à Saucisson, est-ce que tu peux rejoindre la position à l'est, au point, l'angle est du stade, s'il te plaît ? Ok, bien pris. Rassure-moi, Saucisson, il tire pas sur toi, là. Là je regarde. En coche pour tous, commandement va commencer. Oui, je te l'ai dit, comme ça. Point enquêté. Je rappelle non, 600 mètres. Au sud-ouest du point du stade et on commence à progresser en ligne. Pour quadriller le stade. De Bravo, bien pris. Ok, de Ragboy à Saucisson et DHP, venez sur le point est du stade, l'angle est. De Ragboy à DHP, ne bougez pas, vous êtes très bien comme ça.
Ok, bien pris. De Ragboy à DHP et à Saucisson, l'équipe de commandement arrive vers le sud du stade, donc attention, ne tirez pas. Oxymort est très bien, pas de problème. Et Nico ? On est en mouvement. T'es où, Nico ? Quel est azimut ? Non mais... On a traversé la... Non mais, pourquoi tu progresses dans le stade là, Nico ? Quel azimut ? Tu nous vois là, Nico, ça y est ? On est à ta droite là, Nico. On est à ta droite. De Ragboy à Nico, nous sommes à ta droite. Dragboy à DHP, non, pour l'instant restez où vous êtes, vous couvrez très bien, je vais essayer de vous rejoindre, vous ramener Saucisson pour sécuriser le bâtiment. Ça bouge dans le stade là, c'est à nous. Je sais pas, Saucisson, t'es là ? Je suis juste ok, super Saucisson. Non, il aurait pas dû mettre la pluie là, c'est pas possible, ça rame trop. Bon, vous allez rejoindre, c'est quoi, c'est à nous ça ? Ah ouais, c'est à nous ça. Non, c'est pas à nous ça. Au milieu du stade là, qui court. Si c'est à nous ? Je sais pas. Écoute, t'as dit que c'était commandement qui arrivait par le sud. Ouais, mais pas à l'intérieur du stade. De Ragboy à Bravo et à commandement, personne dans l'intérieur du stade ? Si, ils ont balancé une shame light. De Ragboy à commandement. Confirmation que vous êtes à l'intérieur du stade. Ouais, on est bête. Ils ont croisé les mécanos, ils sont pas tirés dessus donc. Ouais, je sais, mais je préfère qu'ils confirment quand même. Ah non, t'as raison. Ok, de Ragboy à Saucisson, tu vas prendre position sur le container jaune et DHP, tu restes cette position là en couvrant la route. C'est bien, 117, c'est bien là. Coche pour un membre du QG, si on peut avoir okay. Quelqu'un. Putain, y'a du monde. Je vais regarder dans le fond. Enemy fire! Avec moi la touche, je confirme des contacts à l'intérieur du bâtiment. Ok, pour tous. Pour Alpha, on a du monde dans le bâtiment principal. Donc Alpha, votre mission c'est de sécuriser le bâtiment principal. De Ragboy à Alpha, on va sécuriser le bâtiment principal. Je veux que DHP rentre par l'angle sud, est et que l'équipe. Et les gars, on prend en place l'équipe ouest. Et que l'équipe de DHP prenne la deuxième porte, toujours angle est. Attendez le go hein, pour rentrer. Hein. Attends, c'est passé. Coche pour tu peux répéter, t'as dit deux fois DHP. Possible retournement. Répète sans cesse. Attention. Ok, DHP, bouge pas, t'es très bien. Saucisson, tu peux venir sur la position de DHP et prendre la deuxième porte à gauche. Ok, les gars, l'ordre de rentrée, c'est Nano, moi, troisième fenêtre. Mile, troisième et fenêtre, la gauche. J'ouvre la porte. De Ragboy à... Non, attendez, avant de rentrer. De Ragboy à Koge, nous allons rentrer dans les bâtiments. Ok, ça marche. Au niveau des deux clients, DHP. Il est là. Ok. Allez, je veux que l'équipe de Saucisson se positionne sur la deuxième porte. Je veux que l'équipe de Saucisson se positionne sur la deuxième porte, s'il vous plaît. Saucisson, viens. On y va, on est là. Tu peux te mettre... Ok, je te suis. Oui, il a un bob, en effet. Un bob, il me met les armées. Hein. Ouais, c'est bon, je suis prêt. De Ragboy à Oxymor et Nico, couvrez la route, s'il vous plaît. Nos arrières. D'accord ? Full auto, les mecs. Allez, go, full auto. On attaque de Alpha, on attaque. Dernier bas, go. Putain, je suis tombé. On a un blessé. On a un mec à terre. Ok, Nico, couvre la route là en direction de l'est, s'il te plaît. Bravo, si vous avez des clés, on a un mort. Sur l'individu avec un bob, vous y allez. Cool Spy est mort. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est si c'est clair. C'est clair. Allez, on y va. Vous rentrez tous dedans là. Je veux tous que vous nettoyez. Thank you.
Bravo, bien pris. Faut te sécuriser, Smile. Continue. Clair. Rack by à Coge, Alpha progresse pour l'instant une perte. Désolé, non, deux pertes. C'est con, putain. Il aurait fallu balancer grenade à l'intérieur. Ouais, ouais. Sur Rack by à DHP Saucisson, confirmation que tout est clean. Saucisson Rack by, clair pour nous. DHP. Si DHP. Le Rackboy de la team Alpha à Coge, tout est clean. Le bâtiment est sécurisé. On a perdu une cool spike. Ok, bien pris, on rentre dedans par la porte nord-ouest. C'est notre AT en plus. Et nous on a perdu notre AT aussi. J'arrive pas à récupérer tout. Ok, Nico et Oxymore, on rentre. De Rackboy à tous, Alpha, l'équipe Coge rentre dedans par l'angle nord-ouest. Bah là on passe sous les portes les mecs. De Rackboy à ma team, soit vous fermez les portes, soit vous mettez plutôt aux portes pour surveiller ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, ouvrez les portes, prenez des positions. Tous, la porte ouest est condamnée, on peut plus la passer. Merci, Wook. Ouais. Ok, Alpha, fouiller les corps. Quelque chose et le bâtiment pour quelque chose qu'on pourrait trouver. Ok, bien pris. Le Rackboy à Saucisson et Sol et Dulgan, fouillez les corps, juste vous deux. Et DHP. Ah putain, excuse-moi DHP, je suis désolé. Il y en a un qui a 330 montres. Ouais, c'est qui comptait les revendre. DHP, t'as trouvé quelque chose? Walou. Les murs ils sont pas gérés, de toute façon quand tu regardes rien. Le reflet c'est les reflets d'herbe alors que t'es dans un bâtiment. Du coup je vois rien avec. Ok Alpha, si c'est bon, vous fouillez le stade. Parce que on a rien dedans ici. On cherche quoi? Ok, bien pris. De Rackboy à la team Alpha, vous sortez tous du bâtiment et il faut chercher quelque chose dans le stade en lui-même. Bravo, vous voyez quelque chose? De Rackboy à la team Alpha, on se donne rendez-vous au container jaune. Non, c'est vrai, c'est la 343. Ah putain de nez, je suis désolé. Vas-y, Gonza. Rackboy à tous, la fumigène verte, c'est à nous. Il se déploie en fait. Yeah, le chef. Alors, de Rackboy à DHP Saucisson, vous voyez la grande grue en face de moi? Ouais. Ok, Saucisson, tu vas ratisser sur la gauche tout ce que tu trouves, là, les planches et les enfin bref, les échafaudages. Ouais. Et DHP, tu vas prendre tout ce qu'il y a sur la droite avec les tubes et tout ça. Ok. Ok, équipe DHP, vous avez bien entendu, on y va? Mon équipe... D1, Ewok, Dulgan, Oxymore, Nico.
Toujours collé à mon cul, ça vous dérange pas? Non, non, non. Bon, bah on va se mettre dans le stade alors. On est bien sur les gradins. Voilà. Bon, on va faire le tour. Hein. Alors pour un moment, on cherche des coordonnées GPS. Donc ça peut être un peu un cahier, des dossiers, un notepad, tout ce qu'on peut trouver. Ou même un laptop. Ok, bien pris. Peux-tu me décrire le contenu du projet de l'objet? C'est un mec qui s'appelle Nicolo. De Ragboy, on a trouvé un gars qui s'appelle Nicolo, qui est au milieu de la fumée verte. Enfin, la chaîne light verte. Il y a deux mecs. Le contact rigolo. Oula, ça tire. Oui, je vais vous donner les coordonnées GPS que vous cherchez du laboratoire. Mais moi, il faut. Oui, 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 je t'écoute. Ouais, ouais, tu veux des montres? Est-ce que tu veux des montres? Je fais décidément vraiment sous les accents les plus nuls du monde. De Ragboy à Saucisson reste sur cette position pour bien couvrir. Et de Ragboy à DHP, vous allez couvrir au niveau de la grue. Voilà, ouais. Là, j'ai plus besoin de parler, m'en vais. Si, 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 on veut des coordonnées GPS, il y a quelque chose qui nous intéresse fortement là. Je vais tout vous dire. Pedro, tu viens avec moi, on va aller se mettre dans la maison là-bas. Je te laisse en bonne compagnie avec Koj. De Ragboy à Saucisson, tu confirmes avoir pris position sur les échafaudages? Affirmatif. À la base et j'ai mon sniper en hauteur. De Ragboy à DHP, confirme-moi avoir pris position en sud. Ah, il met la musique trop fort. C'était quoi les coups de feu? N'importe. Ok, bien pris. Et en fait, on fait quoi là tout à l'heure? Il faut que vous avanciez un peu plus, hein, d'HP. Pour avancer plus vers les containers, au pied de la grue, s'il vous plaît. Ok, on y va. Extraction par hélicoptère de Nicolas. Préparez-vous, prenez bien les zones de couverture et ça devrait tourner. De Ragboy à Koj, je confirme que la team Alpha a pris position. Ragboy à Saucisson continue à sécuriser l'extérieur du stade, pas l'intérieur. L'extérieur, ok, on va se redéployer. Du coup, tu déploies avec les MG en hauteur là, sur le truc de béton. Ok, Oxymore et Nico, on va rester sur les gradins, on va surveiller cet endroit là. Okay. Easy, tu scannes bien vraiment tout à l'extérieur du stade. Et tu vois quelque chose. Ouais, j'ai vu des traçantes à l'arrivée. On a un hélicoptère d'extraction qui arrive. De Ragboy à tous, il me semble que c'est l'hélicoptère d'extraction qui arrive. Ok, bien. De Koj, j'ai un hélicoptère qui arrive nord-est. Il est un peu bourré. Je confirme. Ok. Non, c'est pas vrai. De Koj. Oh merde. Oh là là. Oui. De Ragboy à tous, on peut enlever les silencieux. Vous avez, pouvez ouvrir le feu autant que vous voulez, donc c'est des menaces. Voiture là-bas. Acte blindé.
De Ragboy à tous, feu à volonté, vous avez... Oh là là. Un 6 roues là, blindé. Là je le vois. Où ça, Nico là? Azimut 62, il y a un blindé là. De Ragboy à Toj, à Koj, on a un blindé à 300 mètres, Azimut 60. On va se faire allumer là, il arrive. Ils bougent, ils foncent sur nous, ils foncent sur nous. Dragboy à tous, cachez-vous, il y a un blindé qui arrive sur le stade. Quelle direction? Azimut 60, si vous avez un AT, c'est le moment. Alpha a perdu ses deux AT4 durant l'assaut. Dragboy à Koch, je confirme qu'on a perdu nos deux AT pendant l'assaut. Pas moyen de le neutraliser, là. Je répète, Alpha a perdu ses deux AT4 pour... J'ai bien pris. Shot parce que vous êtes pas si loin que ça, donc si vous pouvez l'avoir, n'hésitez pas. De Bravo, on est en train d'essayer une solution pour avoir le véhicule. On n'aurait qu'un seul AT. Saucisson Ragboy, qu'est-ce qu'on fait? De Ragboy à Saucisson et DHP, si comme on n'a pas d'AT, vous vous planquez pour l'instant. Ragboy, j'ai un AT sur moi, mais j'ai pas de munitions. Ah, super. Bah ouais, mais moi, il y a des gars à moi, ils sont à l'extérieur, là, sur la route, et ils avaient un AT, ceux qui sont morts. Bravo, on a un deuxième véhicule qui arrive même par le nord-est. Véhicule, m'arrive. Ah, je peux couvrir son sac, attends. Dans la Bayaka, je vais te donner des munitions. Ça marche. Bon, je quoi. Alors non, c'est moi qui te file le lanceur plutôt. D'accord, vas-y, fais péter. On va rien pouvoir rentrer dans ce putain de bâtiment. Mission, il y a encore un truc à faire. Fais gaffe, ce petit. Il y a un tank pas long. Ah, ok, merci. 74, 500 mètres à... groupe. Saucisson, là on est tous là. Ouais. On a perdu Easy, non? Il est resté en. Il est là, je crois. Il y a des gars, 70. De Ragboy à Saucisson et DHP, je me suis armé d'un anti-mi. Voilà, un AT. Pardon. Il approche à contact audio. Ok, pour tous, on a eu les coordonnées GPS, donc on va se préparer à bouger. Le but, c'est de bouger le plus rapidement possible. Mais ah putain, mais je peux pas bouger, je peux pas sortir de là. Dès que Bravo nous dit que c'est bon pour sortir. Top Bravo, bien pris. C'est pas mal, les lumières qui passent à travers. Bon, c'est bon, il a explosé. C'est vers le nord, mais... Dragboy à Team Alpha, est-ce que vous avez contact sur un deuxième véhicule? Je vois des départs de tir en direction nord-est, Azimut 50. Ah, mais là où il y a la fumée, c'est pas copain, je crois. Azimut 165 qui a eu un contact qui a été signalé. Bon, je sais même pas si Nico et Oxymore y suivent. Vous êtes toujours là, Nico et Oxymore? Ouais, super. Ah, ça c'est bien ça. Groupe Saucisson, on se regroupe sur le container jaune si possible. Ok, bien pris. Bravo pour Koch, on a plus de visuel, on a acquis la zone. Prêt à partir. Ok, pour tous, on va prendre en direction du nord en fonction de sur vos positions. Donc Bravo, vous suivez le nord par rapport à votre position et Alpha par. On est pub 2. On y va. Bravo, est-ce que vous passez par notre position? Non, c'est le nord par rapport à chacune de nos positions, donc on y va. Ok, de Ragboy à tous, rejoignez-vous au container jaune et on va progresser en direction du nord. Il y a des Ewoks, je suis de retour.
J'ai pas entendu d'accuser à réception de saucisson des HP. C'est mon HP bien pris en arrière. Affirmatif. T'as pris quoi, Ewok, en matos? Bah, j'ai repris la classe que j'avais, explosif spécialiste. Ok. Ouais. On a perdu Dulgan. Il a déco. Ok. Allez, de Ragboy à DHP et Saucisson, vous me suivez, on va direction le nord. Ok, bien pris. Attends, on va sortir du stade par ici. Saucisson, DHP, je peux vous voir juste ici. Alors, Saucisson, DHP, on va progresser de telle façon à ce qu'on aille directement vers le nord, là-haut, donc en haut de cette colline. D'accord ? Donc vous formez deux colonnes, ou enfin la formation que vous voulez. Le principal, c'est que vous progressez en parallèle en direction de cet endroit, d'accord ? Ok. C'est DHP, je prends à gauche. Ok, je prends droite. Ok, groupe Saucisson, on forme la colonne. C'est affreux à gérer, je trouve. Ouais, c'est vraiment affreux. Ah non, mais Ragboy, c'est clair, deux radios, c'est chaud. Hein. Moi, je sais, une fois, j'ai fait radio, j'avais deux radios, voilà quoi. Et. On monte dedans? Ouais, allez-y, montez dedans, montez allez, tous dedans. Tu veux, Nico, allez, tu peux conduire. Monte dedans, ok. Vas-y, monte dedans. C'est quand tu fais radio dans un blindé de transport de troupes. Ouais. Bah t'as la radio plus les mecs derrière qui parlent. Moi je me souviens, j'avais deux radios une fois, donc j'étais leader. Enfin voilà, t'es obligé de demander tout le temps le silence radio. Saucisson dedans. Silence, taisez-vous les gars, je suis. Ah, c'est bon, des HP, toute votre team est dedans. Smile, t'es là? Oui. Citroën? Oui. C'est bon. Des HP, Ewok. C'est bon. Ewok, c'est bon, tout le monde est dedans là? Non, il manque Ewok. Ewok, il est mort ou pas? T'es pas d'écoute tout à l'heure? Chauffeur, si t'es champion. Comment ça se fait qu'il soit autant d'avance comparé à nous? Mais c'est parce qu'on a passé trop de temps à s'arrêter. Ok, chauffeur, à prochaine intersection à gauche. Ouais. Prochaine intersection à gauche. Ah, ok, après. Ragboy ? Ouais. Ouais. Pourquoi on a autant de retard comparé à eux ? Non, mais où vous allez là ? Ah, ouais, pardon. C'est bon, Nico. Ça va ? Vas-y, c'est bon. Ouais, c'est bien par là. Je sais pas, peut-être parce que je suis trop lent à prendre des décisions, parce que c'est trop lent à transférer à la chaîne de commandement pour que vous puissiez mettre en application. Je sais pas. On a perdu beaucoup de temps au niveau du stade en fait. Ouais. Et qu'ils sont mis en route et que nous on est encore au stade quoi. Ouais, tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que là ils ont pris dans les 10 dernières minutes, ils avaient un camion. Hein. À droite, hein, prochain. Ouais, il y a ça, mais ils étaient déjà sur le point camion avant que. C'est quoi ce truc là? Il y a un drone, je pense. Non, c'est pas un drone, c'est un Cessna. C'est un Cessna. Mais non. Non. Prochaine intersection à droite. Ça va être un Y. Je pense qu'aussi, chez eux, ils ont peut-être des. Plus, ils sont plus huilés à faire ça, ils ont peut-être plus l'habitude, tu vois, ou je sais pas. Les pompes de reconnaissance. Par contre, le Cessna il est pas armé, on est d'accord. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment traîné dans la ville, mais. Si, il est armé. On a traîné à partir, c'est pour ça qu'ils nous ont tiré dessus les. Le Cessna est armé. Oui, c'est un Cessna armé, celui-là. La vache. C'est le jaune qui est passé là, c'était. Comme j'ai cru voir, c'était un Cessna armé. Il va nous mettre des roquettes dans nos gueules. Tu veux leur dire, Hi-Boy? Ouais. Je suis pas sûr que c'est
De Ragboy à Bravo, on a été survolé par un Cessna armé qui se dirigeait en direction du laboratoire. Possiblement armé. Les petites touches personnelles de Vincent, tu sais. Un Cessna qui passe, je sais pas pourquoi. C'est kiff. Oui, affirmatif. S'il nous tire dessus et qu'on meurt, tu sauras pas pourquoi il est passé. Ouais. Ah, mais moi, j'ai ma tête, elle doit être grave buggée, mon gars. Je peux pas voir devant le véhicule. C'est un truc de fou. Pour moi, ta tête, elle est à côté de ton épaule gauche. En non, mais comme là, si... t'es en dessous de la barrière, on dirait, tiens. N'importe quoi. Contact, descendez, stop. On débarque. Sortez. On réplique. Sur devant les deux frites. J'en ai deux autres qui sont à l'arrière sur la droite. Bon, et ben voilà, c'est là que ça se termine. Bon, et ben voilà. C'était une soirée un peu hard hein, pour moi. Bref. Non. Je sais pas si je referais ça tous les comme jours. Comme ça, j'ai récupéré une arme, mais j'ai pas de munitions. Pas évident. C'est du M4. J'espère que mon équipe va bien s'en sortir. On le saura demain en lisant le forum. On a été engagé, multiple pertes. Allez, bonne soirée, ciao.